Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette semaine From Prints to Projects with Gel Press. Nous allons maintenant travailler ces fonds avec un effet craquelé ou marbré, enfin comme vous le souhaitez. Nous allons commencer par celui-ci. Celui-ci, plus je le regarde, plus il me fait penser à un sous-bois. Je vais donc accentuer cet effet sous-bois en marquant les bords, comme ça, les lignes, autour du blanc, pour créer comme des petits arbres, hein, comme des bouleaux. Voilà. Alors, c'est fait extrêmement rapidement et je vais accentuer l'effet avec un crayon de bois gras. Vous en avez l'habitude maintenant dans mes vidéos. Ici, un 6B et une estompe. The show must go on, parce qu'on n'arrêtera jamais une cigale de chanter. Concernant celui-ci, je vais tout simplement m'en servir pour créer un cadre effet bois. Pour ceci, je vais couper 4 bandes de la même longueur et de même largeur. Je vais procéder un petit peu de la même façon avec celui-ci, mais je vais d'abord travailler un fond auquel j'ajouterai un cadre par la suite. Je vais poser mon pochoir à l'aide du Fix Stencil. Qui va me permettre de bien faire
adhérer mon pochoir et qu'il ne bouge plus par la suite. Je vais utiliser de la peinture acrylique, donc blanche dans un premier temps. Procédant de cette façon, logiquement, mon motif est parfaitement net. Voilà, mon cadre est découpé. Je collerai cette partie à la fin. Pour donner un petit peu de profondeur, je vais juste mettre un petit peu de noir comme ça sur les bords pour faire comme une ombre. Et donner vraiment la sensation visuelle de décalage entre le cadre et le fond. Je vais ici choisir la zone où l'on voit bien la fleur dans l'une de mes troisième fiches et je perfore un cercle que je vais centrer. Cercle que je vais également ombrer. Et au centre duquel je vais tout simplement tamponner ce mot art. J'ai ajouté un petit sentiment en dessous de mon mot art. L'art est dans nos cœurs et il va y rester un petit moment. J'ai tourné la seconde partie de cette vidéo en période de confinement, donc pas forcément toujours évident, donc en plusieurs étapes, mais je suis allée jusqu'au bout. Je vous demanderai maintenant de prendre soin de vous. Une grande partie de notre planète se retrouve en confinement, une grosse partie de l'Europe, des États-Unis, également de l'Amérique du Nord, je crois. Voilà, prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.